C'est parti pour cette 11e journée avec tous les scores, avec Troyes qui a battu Le Mans 2-1. Le Paris FC est allé battre Châteauroux 1-0. Il y a eu beaucoup de zéros, hein, vous allez voir dans cette 11e journée. Avec Niort-Guingamp 0 partout, Rodez est allé battre Clermont Foot 1-0. L'AC Ajaccio et Nancy 0 partout, Grenoble-Orient 0 partout. Caen-Valenciennes 0 partout. Le Havre et Lorient 2-2 partout, c'était ce samedi, avec Lorient qui menait pourtant 2-0 avant que le Havre revienne en fin de partie, oui, en deuxième période. Et ensuite, donc il restera une rencontre ce lundi soir avec Lens qui recevra Auxerre. Ce sera à partir de 20h45. Mais on va forcément s'intéresser un petit peu plus particulièrement à la rencontre entre Chambly et Sochaux. Une belle rencontre, magnifique. Non, c'était un triste match, il faut l'avouer. Mais il faut prendre un point. Et c'est ce que Sochaux a fait en prenant ce point. Bon, si vous n'avez pas suivi cette rencontre, allez, je vous propose un petit résumé pour vous remettre un petit peu dans le bain. Jusqu'à la 16e journée, Chambly n'avait pas encaissé le moindre but, affichait une solidité défensive impressionnante et parvenait à s'en sortir devant au point d'occuper une étonnante 4e place. Seulement voilà, depuis la défaite 4-1 à domicile contre Auxerre, les Camblysiens ont enchaîné 3 autres revers glissant à la 15e place. La dynamique de Sochaux est opposée avec une 3e place au classement grâce à 3 victoires consécutives. Et ils essayent, les hommes de Mardaf, de faire la différence, mais il n'y a pas énormément de rythme ni d'occasion. On notera tout de même cette frappe cadrée de Livolan. C'est la seule de cette première période où les deux équipes ont regagné les vestiaires de Pierre Brisson sur ce score de 0-0. À l'heure de jeu, une opportunité avec cette tête de Jacques qui ne trouvera pas preneur. Sochaux va essayer de manière intermittente, mais c'est très compliqué. A noter que Marvin Martin était titulaire pour Chambly. Il retrouvait son club formateur, malheureusement. Son international français a dû quitter la pelouse au bout de 10 minutes de jeu, blessé. Sochaux hein, va avoir les plus nettes opportunités. Avec notamment Thomas Touré, la frappe puissante. Belle vigilance de Simon Pondémé. Heureux de peut-être réaliser un nouveau clean sheet, hein, Simon Pondémé. Aucun but encaissé de la première à la sixième journée et 9 lors des 4 suivantes. Cette fois-ci, donc, ça va se terminer sur un score de 0-0. Sochaux rate l'occasion de prendre provisoirement la deuxième place et mettre la pression sur Lens. Chambly se rassure quelque peu en gardant sa cage inviolée après 4 défaites consécutives. Oui, c'est vrai qu'avec cette victoire, on aurait pu monter sur le podium, mais c'est pas grave, le podium attendra, tout ça n'est qu'anecdotique. Bon, un petit mot sur cette rencontre, messieurs, avec, il faut rappeler quelques stats dans cette rencontre. Bon, il y a eu 2 tirs cadrés de chaque côté, ça fait faible hein, quand même quand on regarde au bout de 90 minutes, mais forcément, il y avait une équipe de Chambly qui ne voulait pas perdre, hein, 4 défaites de suite. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? On se rassure en blindant un peu derrière. Et puis une équipe de Sochaux qui a été un petit peu moins inspirée qu'à l'habitude. Enfin, moi, c'est ce que je ressors de cette rencontre. Arthur, un petit mot. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Fred. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part que c'était une rencontre assez maussade et puis que Chambly a un peu plus développé son jeu que nous, même si garer le bus derrière leur a été favorable. Et puis, on a pu voir aussi la blessure de Marvin Martin dès la 9e minute. Donc, les retrouvailles ont été un peu amères. Et puis, c'est pas été un match très intéressant. Il faut dire que moi, j'ai pas très apprécié. Je l'avais laissé en fond pour faire d'autres de travail. Et puis, ça m'a pas plus enchanté que ça de voir ce match. C'est vrai. Marvin Martin, qui n'est resté que 7 ou 8 minutes, si je ne me trompe pas, sur le terrain. On espère, bien évidemment. Et puis, on lui souhaite surtout un très bon rétablissement et qu'il revienne très vite sur les terrains. Ça aidera sans doute cette équipe de Chambly qui va sans doute avoir des difficultés comme souvent les promus dans cette Ligue 2, car c'est un tout autre championnat. Hein. Passer de la Nationale 1 à la Ligue 2, et bien, il y a aussi une différence de niveau. Et puis après, il faut aussi quelques moyens. On en sait quelque chose. Donc je vous propose d'écouter justement les réactions du côté de Chambly. Vous allez écouter Yannick Mamilone et également Sébastien Flochon à la fin de cette rencontre. Ah bah oui, après 4 matchs avec 4 défaites, là, faire un petit match nul contre Sochaux, c'est pas mal.
On t'a vu faire beaucoup, beaucoup d'efforts. T'étais pas loin de marquer le but. C'est important, voilà, faire des efforts tous ensemble. Bah, pour revenir au niveau, on va dire, dans ce que demande le coach, il faut faire les efforts tous ensemble. Donc, du coup, aujourd'hui, on a tout fait pour au moins ramener le match nul. On aurait préféré marquer, mais bon, c'est pas grave. Au moins, le match nul, il est là et la série de défaites, elle se termine aujourd'hui. Justement, est-ce que la trêve vous a pas permis de vous remettre aussi la tête à l'endroit et de retravailler tous dans le même sens ? Oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que quand on se prend 4 défaites en 4 matchs, on a un coup sur la tête. Donc, la trêve, ça fait du bien. Ça permet de repartir sur de bonnes bases. Et au final, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'a pas la victoire, mais on a quand même ramené le match nul. Et un dernier mot sur le prochain match à Rodez. Un concurrent direct, il ne faudra pas reproduire le même match face au Mans pour le coup. C'est sûr, il faudra être sérieux, refaire les mêmes efforts qu'on a produits ce soir. Et je pense que s'ils le font, on ira chercher la victoire, ce serait parfait. Et t'as gagné un maillot. Ouais, c'est mon ami, c'est Touré. On s'est connus au PFC, donc du coup, ça fait plaisir. Un petit mot quand même sur ton retour. Comment toi tu t'es senti dans le jeu par rapport à ton premier match cette saison? Donc c'est pas forcément facile d'avoir tout de suite les automatismes avec les coéquipiers. Comment tu t'es senti toi? Je me suis bien senti physiquement. Voilà, c'est sûr qu'on aurait pu penser que j'aurais peut-être pioché avant, mais je m'étais vraiment bien préparé depuis un moment, et notamment pendant la trêve où j'avais vraiment travaillé physiquement pendant ces 10 jours. Donc je savais que j'aurais peut-être des trous pendant le match, mais que globalement je tiendrais les 90 minutes, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai eu de bonnes sensations. Après, c'est vrai que j'ai mes automatismes aussi avec Joachim, parce que j'ai joué aussi avec lui aux Herbiers. Ça fait un moment qu'on se connaît, donc ça m'a facilité la tâche. Donc je suis content de cette reprise. Et un mot sur le calendrier, vous avez joué Sochaux ce soir qui avait battu Clermont. Prochain match à Rodez qui vient de battre Clermont aussi. Tous les matchs sont cruciaux. Ouais, comme tu le dis, je pense qu'il faut pas trop calculer. C'est un long marathon. On voit que toutes les équipes ont leur mot à dire, et tous les matchs sont compliqués. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas forcément de vérité. Donc nous, on va aller à Rodez pour prendre des points. Et sur Twitter, tu as eu un petit mot de Simone Rovera qui était ravi de te revoir sur les terrains. Ah ben, je le salue, Simone. S'il était content, tant mieux, et je lui passe bien le bonjour. Bon, alors Yannick Mamilon a eu un beau cadeau de Thomas Touré. Oui, on le voit, si vous avez l'occasion de regarder la vidéo, il passe derrière lui et il lui met son maillot sur les épaules. En tout cas, c'était une image très sympathique. Messieurs, un autre commentaire sur cette rencontre de Chambly? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Ben, ce qui m'a déplu, c'était le manque de coordination offensive dans ce match, sachant qu'on avait pas mal d'ouvertures et qu'on aurait pu concrétiser sur les ailes principalement. Et vouloir se contenter d'un jeu assez axial n'a pas été en notre faveur. Et puis la récupération au milieu n'a pas été très bonne. Après, ils ne pouvaient pas faire grand-chose face à une équipe qui était complètement recroquevillée dans ses 25 derniers mètres. Et puis développer un jeu devant n'était pas tâche facile. C'est dommage, je pense qu'en accélérant un petit peu plus et en jouant un petit peu plus juste, je pense qu'on pouvait quand même déstabiliser cette équipe de Chambly, mais bravo à elle, elle a réussi à prendre un bon point, et dans la situation où elle est, forcément, ça fait toujours du bien. Mais moi, je vous propose d'écouter la réaction de Bruno Luzzi, qui est l'entraîneur de cette équipe de Chambly. Ouais, puis il y a le point, mais il y a aussi le contenu. Hein. Dans la manière, on a été bien, on a été discipliné, on n'a pas concédé plus que ça. C'était un match bien équilibré. Il aurait pu basculer d'ailleurs sur une erreur de part et d'autre. Il s'en est fallu de peu avec Benjamin, hein, qui exploite l'erreur adverse. Et puis avec Joachim qui perd ce ballon sur la fin, ça aurait pu être un peu l'effet inverse. Donc non, j'ai trouvé que c'était un match discipliné de part et d'autre. Et ça fait du bien de retrouver ça. Et puis quelque part, le groupe est récompensé. Donc c'est ce que je disais hier. Hein, on a vécu deux séquences, une prolifique, une vraiment très très mauvaise. Et puis après la trêve, on est reparti sur une troisième séquence, et puis on la démarre correctement avec un bon point contre une équipe de Sochaux qui est très bien classée. Oui, bien sûr, de toute façon, c'était l'objectif, même si on voulait avant tout un résultat positif à la fin. Hein, donc dès lors qu'on évitait la défaite, ça l'était. Mais on a cherché à aller de l'avant, à vraiment faire du jeu. On s'est quand même créé quelques bonnes situations. Donc forcément, il y a du mieux, mais voilà, il y a encore beaucoup de travail pour réussir à faire basculer ce genre de match de notre côté. Nouvelle configuration d'équipe, hein, je pense que c'était aussi le moment de 3-5-2, 4-2-3-1, c'est juste on enlève un défenseur, on met un attaquant, puis voilà, sinon le milieu il bouge pas. Donc on a fait un choix offensif.
essayer de chez nous faire les choses et puis aussi les mettre dans des dispositions de pas trop subir, pas trop attendre et puis d'aller aussi nous de l'avant et de rendre coup pour coup. C'était Bruno Luzzi, l'entraîneur de cette équipe de Chambly. Et maintenant, je vous propose d'écouter Omar Daf, l'entraîneur de Sochaux, qui revenait justement sur cette rencontre. Mitigé, parce que je pense qu'au niveau de la possession, voilà, on était au-dessus. Et je pense qu'on a des situations qu'on aurait dû mieux négocier pour mettre cette équipe un peu plus sous pression. Après, le match nul n'est pas illogique parce que Chambly a mis beaucoup d'engagement sur ce match, beaucoup d'impact notamment. Et je suis fier de mes joueurs parce qu'on a eu du répondant pour répondre à ces défis que cet adversaire nous a posés aujourd'hui. Oui, on le savait, c'est une équipe qui sort de quatre revers. On savait qu'ils allaient essayer en tout cas de stopper l'hémorragie. Nous, on était venus ici avec beaucoup d'ambition. Voilà, on est tombé sur une équipe valeureuse qui s'est battue, bien organisée. Comme je répète, ils ont mis beaucoup d'impact. C'était un match haché par moment, donc ce qui nous a empêché de développer certaines actions pour aller au bout. Voilà, maintenant, nous, on a fait ce qu'on a pu ce soir. Voilà, même si on était venu ici pour repartir avec 3 points, mais aujourd'hui, le match nul est logique. On est déçu de repartir avec un point clairement, mais comme je dis, cette équipe de Chambly s'est battue, ils ont tout donné, mes joueurs ont tout donné aussi. Voilà, je trouve que tactiquement c'est un match assez fermé, mais je pense que nous, dans l'utilisation du ballon, on avait la qualité et les moyens de faire beaucoup mieux ce soir, c'était insuffisant. Tout à fait. Ouais, je pense qu'après... Après la trêve, je pense que certaines équipes ont été beaucoup plus prudents. Il y a des équipes qui voulaient se rassurer. Nous, ce n'était pas notre cas. On était venus ici surtout pour continuer notre belle série et repartir d'ici avec les 3 points. Mais comme je dis, il y avait un adversaire ce soir qui a joué grandement sa chance. Et nous, on continue notre bonhomme de chemin. Aujourd'hui, les joueurs ont encore fourni beaucoup d'efforts. Et ce que je retiens, je le disais tout à l'heure, ils ont su répondre aux défis que l'adversaire nous a posés ce soir. Ouais, on l'a vu, par moments, on avait la possession, cette équipe n'est pas venue nous chercher. Donc, ils ont plus procédé par contre-attaque et sur des longs ballons. Voilà, d'entrée de match, ils ont essayé d'imposer ce style de jeu-là. Donc, nous, on est resté serein, on ne voulait pas non plus se faire piéger, mais on a clairement vu la stratégie avec les longs ballons, les duels. Mais fier de mes joueurs ce soir. Il est fier de ses joueurs, Omar Daf. Bon, messieurs, il y a un match ce week-end, oui, ce vendredi soir, car Sochaux va recevoir l'AC Ajaccio. L'AC Ajaccio qui est pour le moment cinquième de ce championnat, qui a fait beaucoup de 0-0 sur les derniers matchs, hein, 3-0-0 face à l'US Orléans. Du côté de Lorient et justement précédemment lors de cette journée face à l'AS Nancy Lorraine avec son buteur pour le moment qui est Gaëtan Courtet qui a mis 5 buts. Un petit mot sur l'AC Ajaccio. C'est une équipe qui a réussi à quand même créer la surprise en début de saison parce que déjà qu'elle a réussi comme Sochaux à passer de justesse la DNCG en appel. Elle n'avait pas forcément fait un gros recrutement avant le début de saison. Et puis, certains joueurs comme Gaëtan Courtet s'avèrent très intéressants. Ou encore Hugo Kuipers, venu en prêt de l'Olympiakos, si je m'abuse. Donc, c'est des recrutements qui sont très intéressants. Une équipe offensive et puis qui pratique un jeu qui pourrait faire mal à Sochaux. Après, il me semble qu'ils restent sur 2 matchs nuls et qu'ils ne sont pas dans une bonne dynamique. Mais ils restent quand même à égalité de points avec le FCSM et 4e ou 5e du championnat. Donc c'est une équipe en forme depuis le début de saison et dont il faudra se fier. Comme tu le disais, oui, la sélection reste sur 2 matchs nuls. Un du côté de Lorient, 0 partout. Et puis le dernier, le week-end dernier, face à l'AS Nancy-Lorraine, 0 partout. C'est vrai, comme tu le dis, ils ont perdu 3 fois à l'extérieur cette saison. C'est une équipe qui voyage, on va dire, pas trop mal à l'extérieur. Hein, pour le moment... Ils ont quand même des victoires du côté de Grenoble, des victoires également du côté de Châteauroux à l'extérieur et une dernière victoire du côté du Mans. Attention, c'est une équipe qui voyage plutôt pas mal. Elle a quand même qu'une seule défaite, si je ne me trompe pas, contre Auxerre à l'extérieur. Sinon, le reste, c'est tout des 0-0 ou des matchs nuls. Donc, une seule défaite à l'extérieur.
C'était face à Auxerre, où ils se sont inclinés 3 buts à 1 lors de la 6e journée. Donc, c'est vraiment une équipe. De toute façon, souvent, la Ajaccio nous pose des problèmes. Et ça va être aussi un petit test pour Sochaux, pour voir si on est capable aussi d'aller plus haut. On va voir si la trêve a fait du mal. Je pense que cette semaine, les Sochaliens vont être très performants à l'entraînement, et ils vont être également très performants ce vendredi, ça y est, moi je suis déjà en Ligue 1. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, on n'est pas encore en Ligue 1, on va déjà bien préparer la Ligue 2. La Ligue 1 n'était pas au programme, c'est ce qu'avaient indiqué les dirigeants en ce début de saison, donc ils ne mettons pas la charrue avant les bœufs, comme on dit souvent. Peut-être sur Football Manager, après. Comment ? Peut-être sur Football Manager, après. Oui, après sur FIFA, oui, c'est sûr qu'on peut monter vite, et c'est même pas sûr. On peut perdre aussi beaucoup de matchs. Donc on espère, en tout cas, que vous serez nombreuses et nombreux du côté du Stade Bonal, car il faut soutenir également cette équipe de Sochaux. Je vous donne justement le programme de cette 12e journée en Ligue 1. Il y aura à 20h les rencontres suivantes: Nancy Lens, Le Mans-Niort, Guingamp, Clermont Foot, Auxerre, Grenoble, Paris FC, Caen, Orléans, Châteauroux, Rodez, Chambly, et ce samedi 26 octobre, Lorient recevra 3 à partir de 15h, et lundi 28 octobre, Valenciennes recevra Le Havre à partir de 20h45. Bon, messieurs, comment vous voyez cette équipe de Sochaux évoluer contre l'AC Ajaccio ? Allez, quel serait votre dispositif, tactique pour cette rencontre ? Allez, fais-nous un peu ta compo, Arthur. Un 4-3-3. 4-3-3 ? 4-3-3. Je mettrai en défense centrale, je mettrai Christopher Roque à gauche avec une défense Djidjou Lacroix s'il a réussi à récupérer sa forme. Peut-être Salamé Mbakata pour faire souffler Papaye qui a du mal à enchaîner les matchs. Un milieu à 3, Chouné avec Daham et Kabouni, vu que Melvin City ne sera pas forcément de retour pour le prochain match. Peut-être tenter quelqu'un d'autre à gauche, même si Thomas Touré est pas mal en ce moment. On va laisser Thomas Touré, Sofiane Diop à droite, et puis devant Abdoulaye Sané, que l'on espère continuera à empiler les buts. Bon, c'est un peu une équipe type que tu nous as mis là. Pourquoi changer ? Oui, exactement, oui, non, c'est ça. Certains joueurs sont de retour du suspension, donc ont récupéré de la fraîcheur. D'autres assurent la rotation, donc cela permet d'engranger de l'expérience pour certains et puis de rester dans une bonne dynamique pour d'autres. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi sur cette équipe. C'est vrai que Paye a peut-être besoin de souffler un petit peu, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué, il n'a pas forcément beaucoup joué la saison dernière, et c'est vrai que les matchs s'enchaînent, et on sait que la Ligue 2 est épuisante, hein. C'est beaucoup de physique, bien évidemment, donc il faut reprendre un petit peu de souffle, et c'est vrai que les postes sont doublés, tous les postes sont doublés, donc oui, de temps en temps, il faut savoir intervertir, et ça c'est le coach, bien sûr, qui voit les joueurs à l'entraînement toute la semaine, et qui peut justement décréter qui peut souffler et qui ne peut pas souffler. Mais finalement, ça y a peut-être fait aussi du bien à Kabouni de ne pas, voilà, de pas être sur ce match, même si je suis persuadé, quand on est compétiteur, on n'aime pas être mis sur la touche, même s'il était suspendu, hein, c'est pas pareil. Mais je pense que ça lui a fait du bien aussi parce qu'il fait des gros matchs depuis le début de saison. C'est vraiment le maître à jouer, la rampe de lancement, on va dire, de cette équipe sochalienne. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis complètement d'accord. Pense que ça lui fait du bien. Oui, assurer la rotation et puis le laisser souffler, même si c'est à contre-cœur. Cela reste quand même très intéressant parce que comme ça, il sera prêt pour affronter une équipe qui sera un match à très hauts enjeux quand même, Ajaccio, si l'objectif est de rester dans le haut de tableau ou d'affronter des équipes de haut de tableau et puis d'engranger des points. Donc c'est toujours intéressant, surtout que lors du match contre Clermont, il a montré qu'il était capable de diriger l'équipe à merveille. Après, si tu veux, on peut essayer de flexibiliser cet effectif en mettant un 4-2-3-1. Mais cette fois-ci, je mettrai plus, je laisserai Tuné et puis Kabouni en retrait en 6, les deux en milieu défensif. Et mettre Gaëtan Westbeck peut-être en milieu offensif, voire peut-être mettre Sofiane Diop pour voir, puisqu'il a des qualités de milieu offensif qui sont très intéressantes. Oui, de toute façon, moi je pense qu'il faut mettre une équipe très offensive.
parce que cette équipe d'Ajaccio a l'air quand même costaud parce qu'elle prend pas, elle prend pas beaucoup de buts. Donc je pense qu'il faut mettre une équipe, comme tu disais, offensive directe. Bon, bah, après, soit Sofiane Diop direct, soit Gaëtan Westbeck, soit Thomas Touré, les trois avec justement en pointe Sané, pourquoi pas, hein, ça pourrait amener justement de l'impact. Après, il ne faut pas non plus trop se découvrir, mais bon, on est quand même costaud derrière. Mais il va falloir mettre une pression dans ce premier quart d'heure. Mais c'est vrai que souvent, les Sochaliens arrivent bien à le faire, ça. Mettre une pression d'enfer et marquer dès les premières minutes. Et je pense que c'est ce qu'il faudra faire contre la CA. Non ? Si, si, complètement. Je n'ai rien d'autre à dire. Bon, bah écoute, c'est parfait. On est coach, non ? Non, pas encore, hein, pas encore. Il faut les diplômes. Mais oui, il faut des diplômes pour être coach. Moi, je suis en train de préparer les diplômes d'arbitrage. C'est pas la même chose. Oui, puis c'est pas forcément un poste qui est à envier parce que c'est très compliqué quand même maintenant. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il me semble qu'il y a un ancien joueur de Ligue 1 qui est devenu arbitre officiel et qui officie en Ligue 2 cette année et va arbitrer les matchs de Lens contre Serres. C'est Gaëtan Goula. Oui, puis il y en a déjà un, Stinat, qui était un ancien pro également et qui évolue en Ligue 1 cette saison, si je ne me trompe pas. S'il a dû arbitrer ici, il arbitre des matchs en Ligue 1, donc c'est lui aussi un ancien joueur. Alors après, est-ce que les anciens joueurs, prennent un peu plus, le côté joueur plutôt que le côté... Ça, c'est toujours délicat hein, quand on a été un ancien joueur de pouvoir arbitrer. Après, il faudrait faire un medley des deux, ce qu'on a fait quand on était joueur et puis avec l'arbitrage. Parce que souvent, les entraîneurs sont un peu, on va dire, pas en colère, mais sont mécontents car ils pensent souvent que les arbitres ne comprennent pas forcément le jeu. Alors, est-ce que des anciens joueurs peuvent mieux comprendre le jeu ou alors, à contrario, est-ce qu'ils vont être plus sévères? Plus sévère, c'est la question. Ou sinon, est-ce que leur expérience leur permettrait d'à la fois être plus compétent, voire mieux ressentir ce que les joueurs ressentent, donc être plus précis ou plus objectif dans ses décisions? Oui, c'est ça. Puis arrêter de mettre peut-être des cartons à tort et à travers, un peu plus de pédagogie, je pense que ça peut être utile. Mais que ce soit en Ligue 1, Ligue 2, voire même dans les catégories en dessous, on le voit même en National 3 ou... Où souvent, il y a des fois, je pense qu'il faudrait mettre un petit peu plus de pédagogie, même si des fois, il y a besoin de carton, hein, bien évidemment. Mais un petit peu de pédagogie, ça fait du bien. Après, je dirais que dans les divisions plus basses, les joueurs sont plus disciplinés, tout simplement parce que, vu que ce sont en général des ligues qui dépendent de la Fédé et non pas de la LFP, et le règlement de la ligue qui donne des sanctions financières à chaque carton jaune et rouge, je pense que ça l'a fait réfléchir plus d'un club quand un joueur prend un carton. Oh, ça cartonne quand même pas mal, hein. En National 3, il y a quand même pas mal de cartons. Mais bon, après, c'est vrai que quand on prend un carton rouge, bon, ça dépend des raisons, mais des fois, on peut prendre jusqu'à 5 matchs hein, quand même, voire plus. Hein. Donc, c'est sûr que ça fait réfléchir. On va dire que la petite boîte, on évite de la mettre trop fort. Il y a l'aspect humain, sportif et financier dans un carton en National 3. Donc, sachant que beaucoup d'équipes ont du mal à finir les saisons au niveau budget, on pense à la charité l'année dernière, c'est un enjeu de taille de voir ces joueurs plus disciplinés sur le terrain. C'est vrai, c'est pas toujours évident. On va refermer cette page Ligue 2. Et puis, on va juste vous dire un petit mot du National pour vous donner... les résultats en National, c'était la 11e journée. Laval s'est incliné chez lui face à Pau 1-0. Le Red Star est allé battre Bastia-Borgo 1-0. Cholet a battu Lyon-Duchère 3-0. Dunkerque est allé battre Créteil 1-0. Le Puy et Béziers 0 partout. Boulogne-sur-Mer a battu Quevilly 2-0. Bourg-Péronnaz est allé battre Concarneau 1-0. Le FC Villefranche a battu le Gazélec-Ajaccio 2-0. Et l'US Avranche a battu Toulon 2-1 au classement. Dunkerque est en tête avec 22 points, suivi de Pau, 22 points également. Le FC Villefranche de Thomas Robinet est troisième avec 21 points. En bas de classement, on retrouve Quevilly, on retrouve Toulon, Le Puy et Quevilly dans l'ordre qui ont 6 points au classement des buteurs. Kevin Rocheteau, le Choletais, est à 7 buts. C'était un petit point sur le National, la Nationale 1. Et maintenant, on va bientôt arborer la Nationale 2 si Monsieur Fritsch... Et d'aplomb, c'est parti, Mr. Frédéric Fritsch. On part à National 3, National 2. Non, 2 d'abord. Allez, National 2, c'est parti. Il y aura de la Coupe de France aussi ce week-end, mais j'en reviendrai après. Quoi. Vas-y, enchaîne déjà National 2, National 3. On va commencer par la National 2, où c'était la 9e journée ce week-end.
Dans le groupe A, la SM Belfort se déplaçait du côté d'Épinal. Bah, ce sont les Spinaliens qui se sont imposés 3 buts à 1. Au classement, les Belfortins sont 10e avec 11 points. Et lors de la prochaine journée, le 2 novembre, la SM Belfort recevra Bobigny. Dans le groupe D, Jura Sud recevait la réserve de l'AS Monaco. Ben, ce sont les Jurassiens qui se sont imposés 1-0. Au classement, Jura Sud gagne une place au classement. Ils sont avant-dernier avec 8 points. Et la prochaine journée, ils se déplaceront du côté d'Andoum, donc du côté de Marseille. On passe à la 7e journée de National 3. Alors, le match, déjà, on peut d'ores et déjà annoncer que le match entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Racing Besançon n'a pas eu lieu ce samedi à cause des pluies torrentielles qui s'étaient abattues la nuit qui précédait le match. Sinon, du côté des autres matchs, la réserve de Dijon s'est imposée face à Pontarlier 1-0. Mortemont-le-Bon a battu Jura Dolois 4-1. Montceau-les-Mines a battu Valdaon-Vercel 3-1. Et Roche-Neuvillard et la Girocière ont fait match nul à but partout. Et donc, le match que tu es allé voir, Fred, c'est le Besançon Foot face au leader Gognonnet, où ces derniers qui ont gagné 2-1. Alors, C'est ça, oui, les leaders Gognon qui a ouvert la marque grâce à un but du défenseur. Car la défense centrale du Besançon Football était absente, car lors du match de Coupe de France. Justement, Diran et puis Pillot ont pris 2 cartons rouges. Donc, un carton rouge direct pour Diran et également un deuxième carton jaune pour Victor Pillot. Donc, la défense centrale du Besançon Football n'était pas là. Donc, c'est Joris Adjakli qui dépannait derrière. Et malheureusement pour lui, il a détourné le centre de Patrick Mvondo. Je vais bien le prononcer. Et il n'a rien pu faire. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent dans le football. Ensuite, pourtant, le Besançon Football va égaliser par Raphaël Diaz sur une belle frappe. Et finalement, une minute plus tard, c'est justement Patrick Mvondo qui, lui, marque ce but. Et je vous propose d'écouter la réaction de Joris Adjakli, le buteur malheureux de cette équipe du Besançon Football. Besançon Foot TV, après cette 7e journée du championnat, c'était un choc contre ce scénario-là. En n'étant pas concentré, on a été à la maison, on a été pris 2 fois en contre. On n'a pas su gérer notre bon début de partie. On s'est un petit peu emballé et on a oublié les principes de jeu, c'est-à-dire déjà bien défendre et après on verra. On est parti un peu à l'abordage et on s'est fait contrer 2 fois de suite. Bon, on a manqué aussi tout au long du match de réalisme devant le but, sur des coups de pied arrêtés, sur des centres, sur des opportunités. On en a eu beaucoup dans le match. On a eu la possession énormément aussi dans le match, mais bon, voilà. On n'a pas réussi à concrétiser toutes les bonnes choses qu'on a faites. Mais malgré tout ça, on doit être beaucoup plus réaliste. Je ne dis pas qu'offensivement, c'est défensivement aussi. On doit être beaucoup plus réaliste qu'on a été. On a été un petit peu fleur bleue, sur ce match. On a été un peu fleur bleue sur ce match, comme le dit Hervé Jeunesse, ce n'était pas Joris Adjakli. Désolé, je n'ai pas pu avoir la réaction. La réaction venait quand même du Besançon Football.com, du site besançonfootball.com. Allez Fred, on continue, on t'écoute. En classement, on va passer au classement, avec le Besançon Foot qui est 3e avec 13 points. Le CA Pontarlier et Jura Delois sont 5e à égalité avec 10 points. Mortemont-le-Bon avec sa victoire est 7e avec 9 points. Le Racing Besançon est 8e avec 8 points avec un match en moins. Pour l'instant, la date du match n'est pas encore déterminée, n'est encore à déterminer. La réserve du SC Sochaux-Montbéliard et Valdaon-Vercel sont 12e avec 5 points à égalité. Et Roche-Neuvillard est toujours dernier, 14e et dernier avec 3 points. La prochaine journée sera donc le samedi 2 novembre avec à 18h le Besançon Foot qui se déplacera du côté de la réserve de la Girocère. Jura Delois recevra Selonger. Le CA Pontarlier recevra Roche-Neuvillard. Montceau-les-Mines recevra la réserve du SC Sochaux-Montbéliard. Et puis le match que nous suivrons, bien sûr, ce sera le Racing Besançon qui recevra Mortemont-le-Bon. Et le match sera
à la Malcombe, comme celui de le match contre Fauvergne en Coupe de France, d'ailleurs. Ah bon, parce ils que... joueront pas au Rosemont. Non. Apparemment, il y aurait peut-être une activité... Il cause bien dans le micro, parce qu'on ne t'entend pas. Il y a quelque chose d'organisé au Rosemont ce week-end-là. Ah bon, d'accord, très bien. Bah, écoute, c'est, et puis la c'est Coupe de France, pour terminer, qui aura lieu ce week-end. Bon, j'ai retenu les clubs de National 2 et National 3. Au Jura de l'Or recevra Montceau-les-Mines. La SM Belfort recevra de ce côté Louhans-Cuiseaux, match entre Coupe de National 2. Le Besançon Foot en National 3 se déplacera du côté du Jura Sud, Coupe de National 2. Et puis le Racing Besançon, quant à lui, se déplacera chez le leader Guignonnais, donc leader de National 3. D'accord, c'est tout ? Oui, c'est tout bon ? Allez, on va juste vous donner les résultats, quelques résultats en Régional 1. Pour vous donner les résultats dans la poule B, le FC 4 Rivières a battu, enfin non, pas battu, s'est incliné chez lui assez lourdement face à Lons-le-Saunier, 6-0. Ornans s'est incliné chez lui face à Louhans-Cuiseaux, la réserve de Louhans-Cuiseaux, 1-0. Le FC Vesoul et le Racing Besançon, la réserve du Racing Besançon, 1-0. Grand-Villard a battu Brest-Jura, 2-1. Baume-les-Dames et Belfort-Sud, le match a été remis. Saint-Vite s'est incliné du côté de la réserve de Pontarlier, 2-0. Et Jura Sud, la réserve, face à Champagnole, 1-0. Au classement, la réserve de Pontarlier est en tête avec 13 points, suivi de Saint-Vite, 11 points, de Grand-Villard, 11 points, et du FC Vesoul, 11 points. Et en bas de classement, on retrouve 14e, Brest-Jura, avec 2 points. C'était juste un petit point de R1. Et d'une R1 à l'autre, on va passer à ce qui s'est passé chez les féminines. C'est la 5e journée, avec le Stade Auxerrois qui est allé battre la réserve du DFCO, 2-1. Lys-Longer, l'AS Châtenois, 2-0. Le FC Vesoul, 3-1 face à Louhans-Cuiseaux. Villers-les-Pots a battu la SM Belfort, 4-2. Et Saint-Vite, qui est pour le moment le leader invaincu dans ce championnat, a battu Melcé et un Mercuré. Une rencontre où on était présent. Et on vous donne le classement. Saint-Vite est en tête avec 15 points, suivi du FC Vesoul, 10 points. La réserve du DFCO est 3e avec 10 points. Et ensuite, on retrouve en bas de classement, 10e, la SM Belfort, avec 0 points, donc aucune victoire au compteur. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Marinette, l'entraîneur de Saint-Vite, qu'on a eu plaisir à avoir après cette rencontre. On est avec Marinette après la victoire ici de l'US Saint-Vite, leader pour le moment face à Melcé Mercuré, 5-0, au moins une rencontre que vous avez maîtrisée, on va dire, de bout en bout. Oui, tout à fait. Une rencontre qu'on a bien débuté avec rapidement un but au début du match. Et puis après, on a su mettre aussi les ingrédients pour vraiment se mettre à l'abri. Donc c'est un bon match et une belle victoire dans l'ensemble, oui, bien sûr. Alors tu as repris cette saison, en tout cas le poste d'entraîneur à la place de Mehdi. Comment justement tu te sens ? Bah oui, c'est vrai, j'ai repris cette année. Donc c'était une fonction d'entraîneur que j'avais déjà chez les jeunes depuis quelques moments. Maintenant, j'ai repris chez les seniors féminines. Pour l'instant, je me sens plutôt bien, je prends beaucoup de plaisir et puis le groupe répond bien à mes attentes, donc pourvu que ça dure. Le jeu te manque pas de trop ? Pour l'instant non, on verra par la suite. Pour l'instant non, ça va, après je passe pas mal de temps sur le terrain, donc c'est vrai que c'est une autre partie du football, c'est différent, mais vraiment je prends du plaisir, donc c'est l'objectif. On t'a vu prendre beaucoup de notes aussi dans cette partie, on voit que les matchs sont préparés, c'est pas du hasard. Oui, évidemment, on essaye en tant que coach d'aider au maximum son équipe. Donc c'est important d'analyser l'équipe adverse, d'analyser aussi nos points forts, nos points faibles pour pouvoir répondre au plus vite parce que ça va vite dans le match. Donc il faut vraiment être réactif. C'est ce que je leur demande aux joueuses. Donc j'essaye aussi moi de le faire pour les aider au maximum. Alors Saint-Vite pour le moment est leader. C'est un bon début de saison, même si c'est que la 5e journée. Oui, c'est le début de la saison. Après... on a un sans faute pour l'instant, c'était un objectif, donc on va continuer dans ce sens-là et pas flancher. Alors au Mercato, vous avez recruté du côté de Saint-Vite ou alors c'est toujours un peu la même équipe ? Alors déjà, la première chose, c'est que j'avais pour objectif vraiment de conserver au maximum tout mon effectif. Donc il y a eu un départ pour raison personnelle et puis j'ai eu deux arrivées. Donc Chloé Péchin qui vient des U18 du Racing Besançon et Charline Mézières qui vient de Pontarlier qui était blessée l'an dernier qui reprend cette année avec nous. Bon, je suppose que l'objectif c'est toujours le même, hein. Bien évidemment les barrages de la division 2 puis tout gagner, c'est la culture de la gagne aussi ici à Saint-Vite. Oui tout à fait, l'objectif vraiment c'est de jouer les matchs les uns après les autres et puis avec un maximum de victoires et puis aller chercher ces barrages
pour se confronter en fin de saison à des équipes intéressantes. Bon, aujourd'hui, vous avez conforté votre place de leader. Oui, une victoire. On le sait que du moment où on gagnera, on restera première. C'est la logique des choses, puisqu'on a fait ce qu'il fallait pour l'instant sur tous les matchs. Et puis, on va tout faire pour vraiment se mettre à cette première place et puis se fixer les objectifs au fur et à mesure pour aller chercher les barrages. Quelles sont les équipes qui peuvent inquiéter justement Saint-Vite cette saison? On sait que le niveau monte d'année en année, en plus avec maintenant le stade auxerrois qui est là également, et puis la réserve du DFCO. Pardon. Oui, alors c'est des équipes, deux équipes, la JIA qu'on a joué il y a une quinzaine de jours, trois semaines, donc on a réussi à faire le résultat là-bas, donc ça c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est vraiment une très belle équipe, c'était un match vraiment serré jusqu'au bout et intéressant dans le jeu en lui-même. Après il y a toujours Dijon, c'est une interrogation, on verra puisqu'on ne les a pas joués encore, donc à voir. Après il y a des équipes solides, Melsey en fait partie en général, hein. C'est une équipe qui joue au foot, qui essaye de jouer au foot, et c'est agréable en tout cas de jouer contre des équipes comme ça. Après derrière il y a Vesoul qui est toujours présent, des grosses équipes avec des clubs qui travaillent bien, donc on verra au fur et à mesure. Merci beaucoup Marinette, et puis on te souhaite beaucoup de bons moments avec cette équipe de Saint-Vite, parce qu'il y en aura dans la saison forcément. Merci à vous de nous suivre et puis de mettre un petit peu en lumière ce championnat de R1 féminine. De rien, il le faut, c'est important. Merci. Merci. On est... Oui, c'est important, la raison, Marinette Bosch, qui est donc nouvelle entraîneur de cette équipe de l'US Saint-Vite. La saison dernière, c'était Mehdi Kawa l'entraîneur, qu'on salue bien évidemment. Une petite réaction également de l'entraîneur adverse, Audric Thérault, avec cette équipe de Melsey, forcément un petit peu déçu, mais déçu de ne pas avoir joué sur un terrain en herbe, car pour lui, il y avait un beau terrain en herbe du côté de Saint-Vite. C'est vrai qu'il y a un très beau terrain avec une très belle tribune. On est avec l'entraîneur Audric Thérault de Melsey Mercuré. Bon, défaite ici, vous étiez opposé au leader Saint-Vite, défaite 5-0. Avant de revenir sur ce match, est-ce que vous pouvez nous présenter justement votre club? Oui, alors le club de l'AS Melsey Mercuré qui s'est créé au niveau des féminines il y a 5 ans. Donc on essaie d'évoluer petit à petit, d'attirer de plus en plus de joueuses. À l'heure actuelle, on est une équipe à 11 et une équipe à 8. Donc voilà, on a réussi à monter l'équipe à 11 en R1. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'y rester et le plus longtemps possible et le plus haut possible. Et voilà, d'essayer à terme d'avoir une deuxième équipe à 11, tout simplement. Alors justement, vous étiez opposé aujourd'hui au leader. Bon, défaite 5-0, c'était un match compliqué. On sait que Saint-Vite est une grosse équipe dans ce championnat. Saint-Vite est une grosse équipe. Après, moi, ce qui commence de me poser problème, on a eu la même chose à Châtenois, c'est qu'on a de super terrains en herbe disponibles. Et je trouve qu'on ne respecte pas assez le foot féminin dans l'ensemble. Et de nous faire jouer sur des terrains catastrophiques comme ça, ça change tout le jeu. Je pense que même pour les joueuses de Saint-Vite, ce serait plus agréable de jouer aussi sur un terrain en herbe, de pratiquer un beau football. Il n'y a pas de raison que les féminines ne prennent pas plus de plaisir. Maintenant, Saint-Vite mérite largement sa victoire. Voilà, 5-0, c'est un peu sévère pour nous, mais on apprend un petit peu en même temps. C'est certainement, encore une fois, je me répète, je l'ai dit l'année dernière, mais l'équipe la plus forte de la poule. Voilà, c'est costaud, on le sait. Maintenant, on va essayer d'apprendre de nos erreurs, on va essayer de progresser petit à petit. Ce qui est intéressant dans votre équipe, c'est que vous, quand vous repartez de l'arrière, vous essayez de construire. C'est ça aussi pour l'avenir. On essaye de jouer au foot, on essaye de pas trop balancer, mais ça rejoint un petit peu le problème des synthétiques que je vous disais, c'est que nous, on essaie de ressortir assez proprement de derrière et de profiter de la profondeur pour nos ailières qui vont assez vite. Et sur des terrains comme ça, si le ballon est un petit peu fort ou roule un petit peu, c'est perdu, quoi. Ouais, on sait que sur synthétique, la moindre erreur se paye cash. C'est ça, et comme techniquement, on est un cran en dessous de Saint-Vite, pour elles, il n'y a pas de souci, elles sont très douées, donc dans leur système de jeu, il n'y a pas de problème. Mais nous, qui profitons un petit peu plus de la profondeur, ça a posé un petit peu problème. Ceci dit, sur un terrain en herbe, aujourd'hui, on n'aurait pas gagné non plus. Mais ça aurait été un peu plus agréable pour les deux équipes, quoi. C'est vrai, en plus, il y a un beau terrain en herbe juste à côté. C'est ça qui est très frustrant. Et on a eu le même souci à Châtenois, d'autant plus qu'il n'y a pas de match de l'Herson. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Quand il y a des matchs de l'Herson en même temps, voilà, je comprends, le niveau prend le dessus, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est quand même dommage. Alors, est-ce que c'est facile, justement, d'attirer des joueuses du côté de votre club? C'est facile, oui, parce que j'ai un groupe qui vit plutôt bien, qui aime bien vivre ensemble, et on est entre je ne veux pas dire le haut niveau, mais la vraie compétition, et le club familial. J'ai des filles qui aiment bien se retrouver ensemble, on fait beaucoup de repas, beaucoup de soirées, et en même temps, le foot reste très sérieux, et j'ai l'avantage d'avoir maintenant une dizaine de filles qui viennent de Dijon, et voilà, qui font la route ensemble, donc je peux me permettre d'attirer quelques filles de Dijon aussi. Donc ça élargit un petit peu le secteur, sachant que Châtenois est collé à nous, et voilà, attire aussi des filles. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord, et je ne me plains pas pour l'instant.
Même avec la Coupe du Monde, ça, vous sentez qu'il y a eu un effet Coupe du Monde qui a eu lieu cette année en France? Au niveau des petites, ouais, des plus petites catégories, oui. Senior, non. J'ai pas eu beaucoup de filles qui débutaient. Mais par contre, c'est de bonne augure pour la suite, pour les féminines catégories plus jeunes. Entre autres, MLC Mercure, qui on arrive à attirer plusieurs joueuses aussi dans les petites catégories. Donc ça commence de bien se structurer. Pardon. Alors c'était la cinquième journée aujourd'hui. Comment vous jugez ce début de saison et le niveau de cette R1? Le niveau, il s'améliore de saison en saison. Sans faire offense aux clubs qui sont descendus l'année dernière, c'était un petit cran en dessous. Là, on a DFCO et Auxerre qui sont montés. Voilà, ça amène de la compétition. C'est jeune, c'est tactique. Voilà, les équipes qui balancent devant, il y en a de moins en moins. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, nous, on va essayer de tirer notre épingle du jeu. J'ai un seul regret sur les matchs qu'on a fait, c'est la défaite 4-1 contre Auxerre à domicile, où on s'est repris en coupe derrière, où on fait un partout, toujours contre Auxerre. C'est un faux pas domicile qu'on aurait pu éviter. Mis à part ça, on va essayer de se relancer à Dijon, contre Dijon à domicile, pardon, la semaine prochaine. Voilà, contre Auxerre, c'est une équipe de qualité aussi, un petit peu jeune. Donc on va essayer, voilà, techniquement, on sait qu'on est un petit peu en dessous de ces équipes-là, mais on va essayer de jouer un petit peu avec nos armes à nous et de rivaliser, quoi. Quels sont les principes de votre jeu, en tous les cas, vos principes à vous? Nous, comme vous l'avez dit, ça s'est vu, je pense, aujourd'hui, on essaie de relancer assez court, de trouver nos milieux de terrain et d'amener le danger sur les côtés. Voilà, moi, j'ai des filles qui vont très, très vite sur les côtés, donc on essaie de travailler un petit peu là-dessus. Pour l'instant, ça ne marche pas trop mal. Maintenant, on essaie de s'affiner un petit peu défensivement, sur le travail en bloc, sur voilà, essayer d'arrêter un petit peu ce marquage individuel et défendre un petit peu plus en zone. Après, quand on tombe contre des filles qui, individuellement, sont très, très fortes, on a encore un petit peu de mal. Donc, on travaille un petit peu là-dessus pour les stopper collectivement. Mais il faut du temps. C'est ça, ça fait partie de l'apprentissage. Bien sûr, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Audrey. On vous souhaite une bonne fin de saison et de vous revoir la saison prochaine en R1. Merci beaucoup. C'était Audrey Thérault, l'entraîneur de MLC Mercure, qui se trouve donc du côté de la Saône-et-Loire. On va terminer cette émission avec du handball, avec une bonne nouvelle. Le SBF s'est imposé du côté de la Norvège face à Fredrikstad. Match aller, elle s'était imposée 29-27. Elles se sont imposées tranquillement, on va dire, du côté de la Norvège, 31-29, même si le score peut paraître serré. Elles ont quand même mené de 5, 6, voire 7 buts dans cette rencontre. Mais le principal, c'est de gagner et de se qualifier. Raphaël Tervel nous l'avait dit à notre micro il n'y a pas très longtemps. Il avait dit, on va en Norvège pour gagner. Eh bien, c'est chose faite. Et le SBF continue son aventure européenne. C'est une bonne chose, Arthur. Ah bah complètement, surtout qu'au vu de la saison actuelle, le SBF, cela ne peut que faire du bien. Elle est motivée à remonter la pente vu les résultats en championnat. Mais pouvoir refaire une nouvelle année en Coupe d'Europe, c'est à la fois primer sur la scène européenne et avoir des joueuses qui vont se montrer pour l'international, et puis aussi une certaine renommée pour le SBF, qui reste quand même un club primordial en France. Exactement, et puis surtout de reprendre confiance. Comme tu l'as dit, c'est vrai que le début de saison est compliqué pour les Byzantines. Elles auront un prochain match, ce sera la 9e journée, donc en Ligue Butagaz Énergie, ce sera ce 27 octobre à partir de 17h. Elles iront défier le Paris 92 avec, on l'espère, une victoire, et le match... Le match de la 10e journée aura lieu ce 2 novembre à partir de 20h, et ça sera du côté du Palais des Sports Gany Yalou. Ça sera face au promu Mérignac. Donc on espère bien évidemment une victoire, car ensuite il n'y aura plus de match au Palais des Sports avant le 29 décembre. Il restera une dernière journée, la 12e, où Pour la 11e journée, Besançon ira, oui, du côté de Toulon-Saint-Cyr. Ce sera ce 8 novembre à partir de 20h30. Donc bravo aux Byzantines. Un petit mot également de Palande qui se déplaçait du côté de Saint-Grégoire-Rennes. C'était pour le compte de la 7e journée en division 2 féminine. Et finalement, les filles de Palande se sont inclinées 25-21. Pour le moment, elles sont 8e avec 8 points. La prochaine rencontre pour les filles de Palante, eh bien, je ne l'ai pas là. Je pensais l'avoir, non, elle n'est pas là. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Donc, elles se sont taquinées du côté de Rennes. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé en Pro League avec le GBDH qui se rendait du côté de Limoges. Limoges, leader pour le moment, et Limoges qui restera encore leader, car les Limougeaux ont battu l'équipe du Grand Besançon du handball
32 à 23 au classement, le GBDH est en dernière position, c'est-à-dire 14e avec 3 points. Et la prochaine rencontre pour les Bisontins, ce sera ce vendredi soir du côté du Palais des Sports Gagné-Yalouz. Ce sera je suis peut-être allé un peu trop vite, non ? Et une 6e journée, alors, il me semble bien. Non, c'est ça, 7e journée, ils se rendront ce 1er novembre du côté de Cesson-Rennes à partir de 20h. Et on va maintenant s'intéresser à plus rien, je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est terminé, on était parti. On va s'intéresser à se dire au revoir maintenant, on va dire. On va s'intéresser à se dire au revoir comme dit Fred, oui, on va. Non, je voulais parler du CS Vesoul, mais je ne retrouve pas les... Je ne retrouve pas les fiches là, donc ça sera pour la semaine prochaine. Comment ? Ce sera pour la semaine prochaine. Ce sera pour la prochaine fois. Tu crois pour la semaine prochaine ? Oui. T'es sûr ? T'es sûr que ça va être pour la semaine prochaine ? Ah je vais non, peut-être pas, non. Peut-être trouvé. Ouais, je vais peut-être le retrouver un petit peu avant. Oui, on va le retrouver. Le temps d'une page pas. De pub et on revient. Ouais, mais il n'y a pas de pub ici. Tu sais bien, il n'y a pas de pub. Ouais, Shalom ouais, Besançon. Il n'y a pas de pub. C'est bien dommage. Ça serait bien, non ? Un peu de pub. Rémurez-vous. Non, bah, je ne retrouve pas. Désolé. Je l'avais mis dans un coin. Je ne retrouve plus. Bon, c'est la fin de l'émission. On la semaine prochaine. On s'est perdu. Oui, on en reparlera la semaine prochaine du CS Vesoul Handball. Messieurs, je vous souhaite à toutes, déjà à vous, une bonne semaine et une bonne soirée. Oui, et allez Sochaux. Bien sûr, allez Sochaux. Pour une 20h contre Ajaccio. Exactement, ce sera ce vendredi 20h au Stade Bonal, n'oubliez pas, Sochaux qui recevra l'AC Ajaccio. Et puis on se retrouve toutes et tous lundi prochain pour justement débriefer de cette rencontre et débriefer de toutes les autres rencontres en Bourgogne-Franche-Comté, au plan national, international, bref. N'oubliez pas non plus jeudi de participer pour gagner vos places. Jeudi ? Quoi jeudi ? Il y a quoi jeudi ? Gagner vos places pour ? Il me semble qu'il y a Sochaux qui avait annoncé, il me semble, il n'y a pas longtemps, qu'il voulait faire gagner des places jeudi, un truc comme ça. Sochaux ? Ouais. Ah, le club de Sochaux ? Ouais. Ah, je sais pas. Bon, ah, déjà qu'ils en ont fait gagner il n'y a pas longtemps, c'est la fête du slip, ils nous font gagner plein de trucs en ce moment. Ah, je sais pas, j'ai même pas vu, je suis même pas au courant, tu vois. J'espère ne pas vous donner une fake news, mais il me semble que jeudi, il y a un tirage au sort, un truc comme ça, mais bon, on verra bien. Ah, je peux pas dire, je sais pas du tout. Nous, il y aura des places mises en jeu qui vont être mises cette semaine. Mais c'est les vacances, c'est l'occasion d'emmener vos enfants, aller au match. Exactement. Eh bien, bonne semaine à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. Et on se quitte, bien évidemment, avec le traditionnel Allez Sochaux. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Et